Je m'appelle Carmen Garrido. J'ai eu la satisfaction d'être promue à directeur de recherche de classe exceptionnelle. Sur le cancer des seins, depuis 2011, que j'ai eu un contrat d'interface avec le Centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc, ce prix représente pour moi tout d'abord une satisfaction très grande d'un point de vue personnel et professionnel. Et aussi, c'est une question de ça va nous aider financièrement à pouvoir aller encore plus vite dans ce projet. Une question clé pour beaucoup de chercheurs, c'est trouver une méthodologie facile à faire, ou moins envahissante que par exemple la mammographie ou les scanners, dans le suivi des patients pour la détection précoce de la dissémination tumorale. Mon laboratoire propose une approche innovante que nous avons brevetée pour détecter dans les urines et dans les sangs des patients des nanovésicules qui s'appellent des exosomes. Toutes les cellules sécrètent cette nanovésicule parce qu'on ne peut pas les voir que dans les microscopiques électroniques, c'est dans l'échelle de nanomètres. C'est très bien pouvoir détecter de façon précoce la métastase, mais encore mieux, c'est pouvoir savoir l'origine de ces cellules tumorales. Donc ça, c'est le projet que nous on présente et qu'on a eu la satisfaction d'avoir ce prix Ruban Rose.